Bonjour, nous allons vous parler d'un problème que rencontrent beaucoup de personnes dans notre société. Il s'agit du racisme. Mais qu'est-ce que le racisme ? Le racisme est une forme de harcèlement sur la couleur de peau, la culture, la religion ou l'origine. Ce terme a été inventé par Léon Trotsky. Pour dénoncer les formes de racisme, nous avons mis en scène des situations dans lesquelles une enfant et sa famille sont victimes de racisme. La scénette comprend deux enfants de couleurs différentes et dont leur mère ne veut pas qu'elles soient amies à cause de leur couleur de peau. Dans la première scénette, vous pouvez découvrir Fatima et sa mère Salama, d'origine mahoraise, qui entrent en scène lors d'une rentrée des classes à l'école de la Chaumière. Il était une fois une nouvelle élève qui arrivait avec sa mère à l'école de la Chaumière. Elle s'appelait Fatima et sa mère Salama. Fatima était petite et était habillée avec une jupe couverte de motifs africains. Elle avait des cheveux crépus et noirs. Elle avait l'air gentille comme sa mère. Salama était de taille moyenne, très souriante, portait une robe aux motifs africains. Dans cette scène, vous allez voir les deux mamans d'origine différente se mettre en colère contre leur fille à la cantine de l'école. Et nous, tu sais, tout à l'heure, ma mère, elle va venir parce qu'elle doit me déposer mes médicaments. C'est vrai, ça serait trop bien parce que ma mère aussi, elle va venir parce qu'en fait, j'avais une chaussure trop grande et elle va me ramener la bonne paire. Ce serait trop bien, elles vont se voir. Et oui, c'est vrai. Maintenant, mangeons vite nos desserts. Ouais. Lou, est-ce que je peux boire dans ton verre parce que j'ai très 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 soif? Oui, bien sûr. Tiens. Renverse pas l'eau, hein? Oui. Je suis désolée, tu vas apporter tes médicaments. Mais pourquoi tu bois dans le verre de cette chose toute blanche? Salut Lou, je suis venue te rapporter des chaussures. Mais merci. Pourquoi ton verre est sur la table de cette chose toute noire? Mais maman, je... Non, c'est pas ça. Un point, c'est tout. Dans cette scène, vous allez découvrir Lou, une enfant métropolitaine de peau blanche qui souhaite devenir amie avec Fatima. Elles font connaissance et souhaitent organiser une soirée pyjama. Hé, hey, maman, c'est vrai que tu viennes chez moi un jour. Ah oui, c'est vrai. On pourrait même faire une soirée pyjama. Ouais, on pourrait jouer à Cap ou à Cap ou à Pire Vérité, ce serait trop bien. Oui, et on pourrait même faire une nuit blanche. Oui. Et ben... On pourrait, par exemple, quand ça sonne, on pourrait demander à notre maman ou toi, tu demandes ou moi. Ok. Bon, ça sonne. On y va? Oui. Dans cette vidéo, on peut voir Lou et Fatima à la sortie de l'école. Au revoir, maîtresse. Bonsoir, maman. Ça va, la vie est bien passée? Oui. Maman, j'ai un truc important à te dire, s'il te plaît. Est-ce que je peux aller chez ma copine? Je sais pas, faut demander à sa maman. Moi, je vais bien, mais je sais pas si elle veut. Elle est pas encore arrivée, toi. Okay. Bon, ben, donne-moi ton sac et après tu me diras la maison. Salut, Lou. Ta journée s'est bien passée? Oui. Bonjour. En fait, je voulais te demander, est-ce que ce soir elle peut dormir à la maison? Enfin, en fait, sa mère veut te... Elle a dit oui, mais elle a dit est-ce que tu es d'accord? Ouais, d'accord, c'est bon. Ça va être trop bien! On rentre à la maison? Non. Ça y est, c'est l'heure de la soirée pyjama. Vous allez voir Salama accompagner sa fille chez Lou. Bonsoir, bonsoir. Je suis venue déposer ma fille pour la soirée pyjama. Mais je vous dis tout de suite, j'ai enlevé toutes les belles décorations car votre fille n'est pas la bienvenue ici. Bon, mais si c'est comme ça, on rentre chez nous. Non, maman, s'il te plaît. Non, maman.
D'accord, mais sois discrète. A plus de respect pour ma fille, sinon vous m'appelez et je viens la chercher. Entre. Même dans les écoles, des enfants sont victimes de racisme et sont malheureux. Alors, luttons contre le racisme.